Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà début août, c'est peut-être une période à laquelle vous demandez ce que vous pouvez faire au potager. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de quatre thèmes, la taille et le bouturage, je verrai pourquoi on les associe, l'entretien du verger, les plantations et les semis qu'on peut encore faire à cette période. Et puis pour finir, on parlera arrosage et engrais. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous mettrai pas mal de liens vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites pour vous expliquer différents détails dont je vais vous parler. Donc ne cliquez pas tout de suite sur les petits liens que vous verrez apparaître par là ou par là, je ne sais plus, pendant la vidéo. Regardez toute la vidéo jusqu'à la fin. Et puis une fois que vous aurez terminé cette vidéo, si vous avez envie de savoir plus de choses sur les vidéos dont je vais parler, bah, vous retournerez sur la vidéo et recliquerez sur les liens. Parce que sinon, vous allez rater cette vidéo, ce serait dommage. Voilà, donc c'est ça, c'était pour la petite partie technique. On démarre tout de suite avec la taille et le bouturage. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que j'associe taille et bouturage? C'est très simple. Quand vous taillez vos plantes, vous avez plein de rameaux. Alors plutôt que de les mettre à la poubelle ou au compost, le mieux c'est de les bouturer. Alors au mois d'août, ce qu'on appelle le bouturage outé, vous avez par exemple le rosier, hein, qui est un classique. Donc j'avais fait une vidéo très claire qui doit être par là, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne cliquez pas tout de suite, vous la verrez après. Donc le bouturage des rosiers, ça marche très bien à l'étouffée au mois d'août. Et puis ce qu'on bouture aussi pas mal au mois d'août, ce qu'on taille pas mal au mois d'août, ce sont les plantes aromatiques. Alors le thym, la verveine, la lavande, la santoline, toutes les aromatiques. Et puis pour parler de cette taille des aromatiques, je vais vous donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec le romarin qui est juste là, regardez. Voilà, alors les chatons, vous ne les taillez pas au mois d'août. En revanche, les romarins qui on a laissé pousser, ça c'est un romarin que j'ai planté il y a quelques années maintenant, et que j'ai jamais taillé parce qu'il est dans un coin du jardin et puis je l'ai un peu oublié. Donc vous voyez, un romarin que vous laissez pousser à volonté, bon ça a son charme, hein, c'est du sauvage on va dire, mais ça pousse un peu dans tous les coins. Alors ce qu'on peut faire si on décide de s'en occuper, on prend un sécateur, donc on va le rabattre, on va descendre tout ce qui est un peu haut, donc par exemple ici ce bouquet là est un peu haut, donc je vais aller tailler un rameau ici, vous voyez, donc vous voyez qu'il y a un beau rameau comme ça, je vais enlever les feuilles qui sont sur la première moitié des 20 cm, je vais planter ça soit dans un sol classique, dans un pot classique, soit à l'étouffée comme pour les rosiers. Et vous allez comme ça pouvoir multiplier vos romarins. Le romarin ça se bouture très très bien. Donc vous allez pouvoir mettre du romarin partout. Le romarin c'est pas mal parce que ça fleurit tôt dans la saison. Et les abeilles adorent le nectar et le pollen de romarin. Donc n'hésitez pas à planter plein de romarin dans tous les coins, même un peu ingrats de votre jardin. Parce que c'est joli, ça sent bon et c'est très bien pour les abeilles. Bon voilà, je vous montre, parce que ça a pris 2-3 minutes à faire. Voilà, vous prenez votre bouteille, vous l'ouvrez, vous mettez votre rameau. Alors je l'ai retaillé un peu, parce que j'avais taillé un rameau un peu long. Donc j'ai retaillé mon rameau de romarin. Vous voyez qu'il est sous serre. Maintenant je mets ça au chaud, à mi-ombre, plutôt à la lumière du matin, on va dire. Et puis la saison prochaine, j'aurai un nouveau plan de romarin, qui m'aura coûté zéro, mais que je pourrais mettre dans un coin un peu triste du jardin. Voilà. En août, on continue aussi à pincer les courgettes. Enfin, c'est pas vraiment de la taille, c'est du pinçage. Alors, pour pincer les courgettes, je vous rappelle comment ça se passe. Ici, vous avez une fleur femelle qu'on reconnaît avec son gros gynécée. Et puis, on reconnaît aussi parce qu'il y a une fleur, il y a une petite courgette en dessous. Et puis ici, vous voyez qu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir cette feuille pour savoir que c'est un mâle, puisque il n'y a rien en dessous. Donc ici, par exemple, je coupe ma fleur mâle. Ça permet à la plante de ne pas se fatiguer pour rien à faire des fleurs. Ces pétales, vous pouvez les découper et puis les manger en beignet, hein, en mettant dans l'œuf et de la farine. Et puis, si vous découpez ici à l'intérieur, vous voyez que vous avez. Je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. C'est un peu bon, pardon. Voilà. Vous voyez que vous avez donc cette étamine pleine de pollen. Et si vous avez des doutes sur la pollinisation, vous n'hésitez pas à polliniser manuellement en frottant votre étamine pleine de pollen au gynécée. Et puis vous faites le tour de vos fleurs. Comme ça, si les abeilles n'ont pas fait leur boulot, ben vous le ferez. Voilà, donc pensez bien à tailler les fleurs mâles inutiles et à bien garder les femelles. Vous voyez, ça c'est une femelle, il n'y a même pas besoin de regarder. Ici, vous voyez que vous avez aussi plein de femelles. Elles sont ouvertes. On va aller polliniser. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous montre ça vite fait. Voilà, donc c'est partie des tailles à faire, des pinçages à faire au mois d'août. On continue avec les tomates.
Alors, au mois d'août, si vous êtes amateur de la taille des gourmands des tomates, vous continuez à les tailler comme d'habitude. Et puis, même si vous ne taillez pas vos gourmands, ce que je vous conseille quand même, c'est à partir de la fin du mois d'août, d'été, à partir de, on va dire, 2 mètres. Vous voyez, moi, je mesure 1m96. Donc, ici, le plan arrive vers 2 mètres. Donc, vers la fin du mois d'août, c'est pas la peine de garder les fleurs qui vont se développer ici. Parce qu'une fleur de tomate, avant de devenir une tomate rouge, ça prend pas loin de 2 mois. Donc, si vous avez les premiers gels vers début novembre, à partir de début août, vous avez à partir de fin août, pardon, vous avez intérêt à tailler ces fleurs qui vont fatiguer et consommer des ressources inutilement sur votre plant de tomate et puis qui n'arriveront jamais à maturité. Donc vers la fin août, début septembre, n'hésitez pas à tailler vos fleurs du haut pour que ce soit les fleurs du bas, les tomates du bas, qui profitent de la sève et des engrais que vous avez dans vos plantes. Voilà pour la taille et on passe ensuite à l'entretien du verger. C'est parti. Alors au mois d'août au verger, on peut tailler les fruitiers à noyaux. Alors les fruitiers à noyaux, ce sont les cerisiers, les abricotiers, les pruniers. Mais faites attention quand même parce que ce sont des arbres qui n'aiment pas beaucoup la taille. Donc ne taillez que ce qui est indispensable. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que quand j'ai des branches qui se croisent comme ça, qui vont se frotter et s'abîmer, j'essaye de tailler la branche au niveau d'un bourgeon qui va repartir vers l'extérieur. Donc par exemple ici, c'est un peu haut, mais je vais y arriver. Allez, je prends ici le bourgeon qui va repartir dans le bon sens. Donc je vais avoir un nouveau rameau qui va partir d'ici et repartir comme ça. Parce que les branches qui se croisent, ça finit par s'abîmer, ça fait des plaies dans l'arbre et c'est pas bon. Donc août, c'est bien pour tailler vos fruitiers à noyaux, mais allez-y mollo, parce que ça peut facilement mal se passer. Alors autre tâche à faire au mois d'août, pas trop près des ruches quand même parce que ça peut être un peu dangereux. Vous allez sur vos fruitiers qui sont pleins de fruits. Et s'ils ont trop, ouais, par ici là j'ai des pommes qui sont en grande quantité, vous pouvez alléger un petit peu parce que trop de pommes, ça va vous allez faire donner plein de petites pommes. Et alors donc tout ce qui est pommes un peu abîmées ou trop petites, je sais que c'est désagréable, mais vous pouvez alléger. L'idée étant de garder un beau fruit tous les 10 cm, donc là je ne vais pas vous faire tout parce qu'il y a un peu de boulot, mais grosso modo, garder un ou deux fruits tous les 10 cm pour que ce soit des beaux et gros fruits. Parce que vous voyez par exemple ici, j'ai une petite pomme ici qui ne sert pas à grand chose. Donc là je vous avoue que le téléphone c'est pas très simple, mais l'idée c'est d'éclaircir. Ah là, j'ai été un peu trop fort. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres fruits ici. Mais bon, avec le téléphone, c'est pas très facile de tailler. Mais gardez, la règle, c'est de dire, je garde un ou deux beaux fruits tous les 10 cm pour qu'ils soient bien alimentés en sève et qu'ils grossissent et qu'ils deviennent bien sucrés. Voilà pour l'entretien du verger au mois d'août. Alors fin juillet, début août, c'est la période où on récolte les pommes de terre. Si vous êtes un peu flemmard, vous pouvez vous faire aider par votre chat qui vous aidera à creuser pour sortir les pommes de terre, qui pourraient même éventuellement déguster les restes de racines, ce qui n'est pas très bon à mon avis. Voilà donc les pommes de terre, une fois récoltées, vous les laissez dans la cagette. Le chat a vraiment l'air très décidé à faire la récolte des pommes de terre. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il doit y avoir peut-être une pomme de terre que j'ai laissée. Donc une fois que vous avez récolté vos pommes de terre, que vous aurez semées à la période de la floraison des lilas, puisque c'est le signal de la plantation des pommes de terre, vous les laissez sécher quelques jours en cagette pour qu'elles s'assèchent un peu, parce qu'elles sont encore pleines d'eau. Et vous pourrez consommer donc vos pommes de terre nouvelles avec vos salades d'été, puisque les tomates ne vont pas tarder si elles ne sont pas déjà arrivées. Alors dans l'espace libéré par les pommes de terre qu'on vient de récolter, vous pouvez soit mettre un engrais vert, parce que la terre a été pas mal sollicitée, donc planter un engrais vert pour la renforcer un petit peu, la boutarde, du trèfle, enfin tous les engrais verts qu'on peut trouver facilement dans la jardinerie. Il vous reste des espaces disponibles qui n'ont pas été trop sollicités, vous pouvez continuer à planter les légumes feuilles et les légumes racines dont j'ai parlé dans la vidéo du mois de juillet, qui est juste là. Vous la regarderez tout à l'heure, vous n'oubliez pas. Ça vous permettra de continuer à avoir des choux, des radis, enfin tout ce que vous verrez dans cette vidéo, pour le reste de la saison. On voit ensuite tout ce qui est semis. Alors pour les semis d'août, c'est presque la même chose que pour le mois de juillet. Vous pouvez simplement commencer à planter également les fèves. Mais alors ce qui est intéressant au mois d'août, c'est que c'est la période où on peut commencer à récolter des graines. Alors là, par exemple, c'est de la nigelle. La nigelle, c'est une très jolie fleur bleue qui pousse au printemps. Et vous voyez qu'à partir de août, on peut commencer à récupérer les graines. Ça s'appelle du cumin noir, c'est de la nigelle cultivée. Ça peut servir de décoration pour certains plats, enfin de condiment pour certains plats. Mais donc, début août, c'est la période où on peut commencer à récolter les graines de nigelle, d'encolie. Enfin, il y a pas mal de fleurs qui fleurissent au printemps et dont les graines sont récoltables dès la fin juillet, début août. Vous les mettez dans une petite enveloppe papier et vous les replanterez au printemps prochain pour avoir de très beaux parterres fleuris.
Fin juillet, début août, c'est trop tard pour tout ce qui est légumes, fruits, comme les tomates, les courgettes, les courges, les potirons, etc. La seule chose que vous pouvez faire pour avoir des fruits, enfin planter des fruits cette saison, c'est faire du bouturage de tomates. Alors vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite, vous le verrez tout à l'heure bien sûr. L'avantage de ce bouturage de tomates, c'est que ça vous permettra d'avoir des fruits et des tomates un peu plus tard dans la saison, puisque ces plants-là produiront en plein quand vos plants d'origine seront déjà un petit peu en fin de production. Donc c'est intéressant pour prolonger la saison. Alors août, c'est évidemment la période où l'arrosage est très important. Il y a des journées très chaudes, il y a du vent. Le vent assèche beaucoup les plantes, donc pensez à bien arroser après les jours de vent. Arroser des préférences le soir. Vous avez aussi une technique d'arrosage au goutte à goutte que je vous avais fait ici, donc vous la verrez tout à l'heure bien sûr, qui est pas mal pour avoir une maintenir l'humidité permanente sur vos plants. Pensez aussi à arroser votre compost, parce que votre compost c'est plein de bactéries qui décomposent les matières organiques, et si vos bactéries sèchent, et ben, votre compost se dégradera moins vite et donc vous pourrez l'utiliser moins rapidement. Alors pour tout ce qui est arrosage des fruits comme les melons, les tomates, veillez à pas trop arroser sur la fin, parce que si vous arrosez beaucoup vos fruits en fin de proche de la maturité, vous allez avoir des fruits qui vont beaucoup grossir et puis qui vont être beaucoup moins goûtus que si vous laissez un peu souffrir. C'est le principe du sirop de grenadine, hein. Si vous mettez un tout petit peu de sirop et que vous diluez dans beaucoup d'eau, ben votre grenadine est moins bonne que si vous avez une bonne dose de sirop. Donc en laissant le fruit chercher les sucs et les concentrer les sucs à la fin de la maturité, vous aurez un fruit bien plus goûtu. Dernière chose aussi sur les melons, pensez à mettre une petite cale de tuiles ou de bois sous les fruits pour éviter qu'ils soient abîmés par la terre qui est en dessous. Et donc dès que les melons arrivent à avoir dessiné une belle dentelle et avoir du vert entre les quartiers, ce sera le moment de les déguster. Donc cela, je pense qu'ils seront dégustables dans quelques jours. Alors août, c'est la période où les plantes donnent beaucoup de fruits. Pour donner ces fruits, elles ont besoin de beaucoup de nutriments. Alors soit vous avez une terre très riche que vous avez bien enrichie avec du compost, du fumier, enfin, une terre parfaite, et dans ce cas-là, vous n'avez besoin de rien faire. En revanche, si vous avez une terre un peu plus pauvre, il est parfois nécessaire de mettre de l'engrais organique ou minéral. Si vous mettez un engrais minéral, ne le mettez surtout jamais directement, c'est-à-dire ne mettez pas votre engrais dans l'eau et en arrosant, parce que si vous mettez de l'engrais sur des racines sèches, ça peut faire brûler vos racines. Donc commencez par un arrosage à l'eau claire, et une fois que vous avez fait un premier arrosage à l'eau claire, vous mettez un deuxième arrosage avec cette fois-ci les engrais, et ça permettra de soutenir la fructification de vos tomates, de vos courges, de vos potirons, de vos melons, etc. etc. Voilà, c'est tout pour les travaux du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous pour faire en sorte que la vidéo soit plus vue sur YouTube. Si vous avez envie de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, comme je vous le disais au début, si vous avez envie d'en savoir plus sur toutes les vidéos dont je vous ai parlé pendant cette vidéo, vous remettez la vidéo et vous cliquez sur les liens qui vous intéressent. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.